Salut les maigris. Je t'ai déjà dit que tu m'appelais comme ça, t'as compris? Ça va, Bouzid, c'est pas la fin du monde. Je te dérange. Non, pas terrible. Moi, tu t'es fui, bien. Prends le cadre. T'as réparé la souris? La torche. Ça va? Ouais, c'est bon. Possible. Où est-ce que... Quoi? Akala. Bonjour Matrix. Comme tu insistais pour que je vienne, j'ai fini par organiser mon voyage. J'ai pris mon billet, j'arrive la semaine prochaine. J'espère que ça te fait plaisir. Laurence, est-ce qu'il fait beau à Alger? Laurence, y'a... Quoi? Comment ça? C'est ça qui t'écrit, t'as bien lu. Elle vient bien la semaine prochaine. Normal, tu l'as invité. Comment ça, je l'ai invité? Je l'ai invité juste comme ça. Tu dors pas, toi? Éteins cette merde, on a du mal à respirer, attends. Ça va faire l'asphyxie générale. T'es pas resté longtemps en bas? Ça marche pas, la technologie des extraterrestres. Écrase ta cigarette et belle. J'ai besoin de réfléchir, moi. D'abord, pour réfléchir, il faut un cerveau. Brel. Et que le tien, il faut qu'il soit bien chargé avec du carburant sans plomb. Hospitalita, hospitalita. Donc, hospitalita, c'est un thé ou deux thés? Mais on dit pas hospitalita, on dit hospitalito. Hospitalito. Cette semaine, c'est toi qui reprends le ravitaillement. Il y a presque plus de marchandises, là. Hajmilo, tu m'as dit qu'il y avait un arrivage. Pourquoi tu me parles sur ce ton? Jamais on pourra vivre une vie normale. Comme tout le monde dans tous les autres pays, là. Admettons si j'ai envie d'inviter quelqu'un à la maison, moi. Ben, je peux même pas. Je peux même pas. Quoi, se suicider, là. Avec des cachets de pharmacie, là. Et jeter du cinquième étage direct dans la rue. Tu te prends pour le journal ou quoi? Mais quel journal? Quel journal? C'est pas le journal ou la télé, là. Bon, attends, tu fais Zahma des analyses, là, compliquées, la vie, le suicide, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, hier soir, j'ai vu que ça tournait pas rond, là. T'as un problème ou quoi? Le problème? À ton âge, tu dois chercher où habiter. Oh là là, t'as fait griller ta cervelle avec du persil ou quoi? Et pourquoi ça serait pas toi qui vas chercher où habiter? Parce qu'avec ton âge, c'est toi qui dois dégager le premier, c'est pas moi. Mais ça, c'est dans le dictionnaire des analogies que tu l'as lu, ça. Exactement, monsieur. Eh ouais, c'est comme ça. Hein? Le frère le plus vieux, il doit dégager. Oui, c'est ça, oui. Alors là, je comprends plus rien. Là, c'est moi qui tape les cachets et c'est toi qui as allumé. Et il est même pas encore midi. Ouais. Faut que t'arrêtes le smoke. C'est moi qui smoke, c'est toi qui es défoncé.
moderne, éviter de devenir chèvre. Par deux dans le même corps. Non, pas question. Ouais. Moi, je prends déjà chevrier. Ouais. Ça, c'est pas compliqué. Un beau jour, on a la ras-le-bol. On travaille dans les bureaux. On a envie de la vie au grand air. Je pense que c'est le seul métier qui vous permet en même temps de vous évader par la pensée tout en travaillant. Parce que moi, je suis quelqu'un de très rêveur. Quand j'étais employé de bureau, j'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. J'entendais toujours les petits oiseaux ou à l'extérieur ou je sais pas. Pourquoi vous partez pas? C'est un métier super pour pouvoir s'évader. Oui. Vous m'avez bien entendu. Pourquoi vous partez pas en vacances chez l'oncle Aclit? Mais qu'est-ce qui te prend? Ah ouais, respire un petit peu d'air pur dans sa ferme. Hein, partir de ce quartier pourri. Oui, prendre une bonne semaine à la montagne, hein. Vous remplissez les poumons d'air pur. Ça y est, ton petit numéro de n'importe quoi. Vous comprenez pas, je vous paie les vacances. Ben oui, je vous paie les vacances de A à Z. Vous faites attention sur la route, hein. Oui, ne t'en fais pas. Tu téléphones au cybercafé dès que vous arrivez, ok? T'es content de t'être débarrassé de moi? Je suis sûr que pas clair. Vas-y, va prendre un petit peu d'air pur, ça va te faire du bien, t'as comment que t'es pas? On dirait le retour de la vomi. Smack, je compte sur toi, hein. Fais attention à ton frère, ne le laisse pas fumer les cochonneries qui lui font tourner la tête. Et attention aux gazelles. Maman, ne t'inquiète pas, on n'est plus des enfants, va très bien. Oui. Je me demande comment vous allez vous débrouiller sans moi. Et qu'est-ce que vous allez manger? Mais c'est pas les calentica et les pizzas qui manquent. Les pizzas. Allez, au revoir. Faites attention, hein. Fermez la porte à clé, bien. Il n'y a pas la peine de me dire au revoir. Je croyais que j'arriverais jamais à les faire partir. Bon, bah, maintenant, tu m'expliques. Mais qu'est-ce que je t'explique? Tout, de A à Z. Alors, celle-là, c'est la meilleure de l'année. Cette fille, elle va habiter chez nous pendant une semaine. Ouais, c'est ça. T'as bien compris. Hein. T'es devenu complètement fou, quoi. C'est quelque chose de normal. J'invite quelqu'un, c'est simple. C'est ma correspondante. Je fais du chat et maintenant, je l'invite, point. Ici, on n'est pas des sauvages de l'Alaska. Hein. Le problème, c'est le fric. J'ai gaspillé tout l'argent pour le voyage de la famille. Maintenant, je suis raide. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si c'est pas toi qui vas m'aider, je vois pas qui d'autre va le faire. Hein. Tu sais, c'est la honte de recevoir quelqu'un sans tout préparer. Ah ouais? Et il y a quoi à préparer? Tout. Toute l'organisation scientifique, millimètre près. Et le fric, tu vas le trouver où? Hajj Meloud. Ouais, ça, c'est hors de question. Pas chez Hajj Meloud. Il n'y a que lui. Hein. Luana, tu peux nous servir de bière? T'es mon frère, oui. Je suis ton frère. Ah bah alors explique-moi alors les frères, ça sert à quoi? Ça sert pas à supporter les conneries de l'autre frère. Voilà à quoi ça sert. عشريكي صحيح او هنا حاج ميلود او هنا الحاج ميلود حبيتوا تشوفوه ايه سلام c'est toi qui parle hein. Moi c'est حاج ميلود de mes deux je le sens pas depuis qu'il nous a saboté les circuits du commerce à la main je sais pas ce qu'il me retient de plomber sa gueule t'angoisse pas c'est du passé il va nous aider matrafche il va t'aider moi j'ai besoin de rien t'es mon frère oui ou non? Arrête de me répéter la même phrase. Oui, tu es mon frère. واش ديز
j'ai maigri. Ça va, je suis là. Ça peut aller. On remercie Dieu. Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à nos frères? Je vais me fiancer dans une semaine, tu comprends? Je vais avoir des frais. Alors, ce n'est pas grave. How much? Combien? 20 hajra. Tant que ça. Et le remboursement? On peut faire des échéances. On travaillera plus. Et on peut même doubler les points de vente. Je peux m'installer à l'entrée de la Madrague avec tous les cabarets et du passage. Ah, mais c'est pas sûr, ça. Hein? Avec tous les vendeurs de cigares dans le secteur. Faut aussi reprendre les transports. Ah, pop, pop. Alors là, pas du tout. Hein? Avec vos conneries de l'année dernière, vous savez très bien que c'est pas votre domaine. Ça, je vous l'ai déjà dit. Eh, moi, je peux vous proposer autre chose. Hein? Quoi? Un combat. Avec japonais? T'as tout compris. J'ai un challenger à Oran, marteau piqueur. C'est un tueur. Il a gagné tous les combats à la frontière marocaine. On peut le faire venir quand on veut. C'est quand tes fiançailles exactement, toi? Jeudi prochain. Très bien. Comme ça, on organise le combat le jeudi d'après. Asma, c'est moi qui organise le combat et c'est moi qui tiens les paris. C'est bon? Alors? C'est bon. Haj Meloud, je voulais te dire quelque chose. J'aime pas quand tu nous appelles les immigrés. On a des noms quand même. D'accord, d'accord. Les maigrés. Rossal, à ton malade. Ça va, doucement. Pioche aussi, si tu veux, non? Tu sens, là? Ouais, c'est bien dosé. Le moustique qui rentre ici, il est mort direct. T'es sûr que l'odeur, ça va pas la gêner? T'as peut-être raison. Tu le fais toi-même. Ça donne un style comme ça. C'est le frère à film artistique. Oh, tu peux pas m'aider, toi, là? C'est trop chaud. Il faut plus que tu fumes ici, là. Pourquoi? Parce que la fumée, ça fait jaunir les fleurs. Même les fleurs en plastique. Et en plus, je veux pas qu'elles nous prennent pour des drogués. Je comprends pas, on va au ski, là, ou quoi? Quand on fait l'accueil, il faut toujours être bien sapé. Hein, c'est la politesse. Regarde, touche. C'est de la qualité, hein. Made in Turkish. Bon, toi, tu mets celui-là. Ça va pas, je mets pas ça. Tu m'as pris pour les schtroumpfs multipliés par les 7 nains. Faut toujours que tu te compliques la vie, toi. Hein. Allez, vas-y, enlève-moi ça. Trois heures de retard. J'en peux plus, hein. J'ai la tête en train de bouillir. Je vais attendre dans la voiture. Hein. Fais pas chier, je te dis qu'ils ont annoncé l'avion. Regarde, ils arrivent, regarde.
Je reconnais les sacs Free Shop de Paris, regarde. C'est pas elle, là? De faire le con, je te dis que c'est pas elle. Et s'il y a son frère ou son mari là qui l'attend, on va avoir des problèmes. C'est sûr, c'est elle. Matrix, t'es vraiment comme j'imaginais. Pas tout à fait Keanu Reeves. Ah non, c'est moi, Matrix. Voilà. C'est-à-dire, mon vrai nom, c'est Bouzid. Et lui, c'est Kamel, mon frère. Oui, moi, je suis juste le frère, c'est tout. Et toi, tu es Laurence? Laurence. Enchantée, Bouzid. Ah, je dis ça comme l'autre. Alors, Laurence, je te fais la bienvenue sur le sol de l'Algérie. Avec un jour de printemps comme celui-là, c'est sûr, c'est le bonheur total. Je te dis le programme de maintenant. On va dans le parking, on va dans la voiture, on va dans la ville direct, jusqu'à qu'on arrive dans le quartier de Babeloué. C'est chez moi, hein. On fait le beau repas. Je suis sûr que tu dois avoir beaucoup faim, hein. Ben non, j'ai mangé dans l'avion. Ah non, c'est pas bon dans l'avion. C'est pas bon. Tu vas manger la vraie manger d'Alger, de la maison. Si vous permettez, mademoiselle, qu'on avance jusqu'à la voiture. Merci, c'est gentil, bébé. Tu veux de la Corse? Non. Pourquoi? Tu m'as jamais dit sur internet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans la banque. Je fais les billets, le change, les chèques, tout quoi. Et vous, Kamel? J'achète, je vends. Vous vendez quoi? Tout, des chaussettes, des pantalons, des chemises. Vous avez une boutique? Dans le Sahara. Et là, maintenant, je fais les vacances ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis intérimaire. Tu travailles dans le bateau? Quoi? Intérimaire? C'est la mer, le bateau, non? Non, c'est un travail à temps partiel. Je travaille pas tout le temps. Ouais, ça veut dire que tu prends les vacances. Ça vous gêne pas si je fume? Ah, vas-y, tu peux fumer. Vas-y, vas-y, y a pas de problème. Sauf devant les... C'est Bouzid qui l'a décoré pour lui donner un peu plus d'allure. Je devrais être content, non? Je sais que tu vois, c'est ni ma nana. Là, il est terrible. Ouais, là. Où est-ce que c'est?
Et ton tacos te dit qu'il est bon pour la casse. On a failli tomber en panne, la porte avant, c'est un danger mortel et elle garde pas le ralenti. Danger mortel? C'est pas moi, c'est ton frère qui a voulu la louer. Attends, il m'a fait une fatah, moi je n'ai pas le tomber de garage là, chez Yar. Là, là, nous embrouille pas, on l'a loué pendant 15 jours. 15 jours? Mais je gagne qui est là, gagne tout le monde. Allez. Aouni, aouni. Adieu, doula. Blakel, 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 mais j'ai tout chadab, zam. Tabba. C'est mignon. Merci. Serais la bienvenue. Tu fais comme chez toi. C'est fleuri. Ça te plaît? C'est... Et il y a personne? Personne? Bah oui, ta famille. Ah oui, ma famille. Ils sont partis en Kabylie parce que mon oncle est malade de la grippe. Mais t'aurais dû me prévenir, j'aurais reculé mon voyage. Oh mais non, c'est rien. Tu sais, avec Kamel, on est des grands garçons pour s'occuper de toi. On connaît tout le système de l'organisation. C'est chouette. Avant, la salle de bain, elle était plus grande. C'était la vraie salle de bain. On a dû casser le mur, là, pour faire une chambre plus grande. Mmh. Système D. Et on a quand même gardé la baignoire. Et il y a toujours des problèmes d'eau à Alger? Oh, pas trop. Pas trop. On dirait qu'il fait de la propagande. Il y a quand même un problème grave en ce moment. Ça fait 10 jours qu'il n'y a pas d'eau dans le quartier. 10 jours? Oui, mais n'aie pas peur. J'ai un copain à moi qui travaille dans la société de l'eau. Il m'a dit que demain, tout allait s'arranger. Oui, mais il faut d'abord qu'ils remplissent la citerne, que le suppresseur il se mette en marche. Après, on peut prendre des bains avec de l'eau chaude et tout. En tout cas, sinon, j'irai au Hammam. Ah bah, tu sais quoi, ça tombe bien. Il y en a juste à 5 minutes. Grande classe, non? T'as vraiment de la chance de venir maintenant. Parce qu'avant, d'ici, on pouvait pas voir la mer. Ah bon, pourquoi? Deux immeubles qui étaient là, là, sont tombés pendant les inondations. Ça a dégagé la vue. Bon, vous m'excusez, je vais préparer à manger. Tu sais, Laurence, les inondations, c'était vraiment grave. On croyait que tout Bab el-Oued allait partir dans la mer. C'est comme une grosse vague qui descend à la vitesse de l'enfer et qui emporte tout. C'était la vraie apocalypse. Il y a des endroits, c'était pire que le Titanic. Je sais, j'avais eu des choses à la télé. Oui, mais à la télé, ils n'ont pas tout montré. À notre quartier, c'est le plus maudit d'Alger. Il y a toujours les malheurs. Là-bas, c'est Notre-Dame d'Afrique? Oui. Tu connais? Ouais, j'ai lu des trucs. Waouh! Ah! Ah ouais, c'est... Voilà. Toi, tu dors ici. C'est le calme total, tu vas voir. Ah oui, oui. Le décorateur, quand il a placé le papier peint, il a fait le mélange artistique de Picasso. Ça, c'est le petit cadeau. Pour la bienvenue. Merci. Bon, bah, je te laisse t'installer. Ouais, d'accord, je vous rejoins. Bon, écoute, toi, que ce soit clair entre nous, hein, tu vas pas à chaque fois lui parler avant que je lui parle. Hein. Elle, c'est mon invitée à moi, et s'il y a des choses à lui raconter, c'est moi qui lui raconte, ok? Tu me parles pas comme ça, toi, hein? Ah bon? En plus, tu me mets la main dessus? Allez, tu te démerdes avec elle, moi je retourne travailler. Mais t'as dit tu vas m'aider, là? Rien à foutre, les Japonais le fera pas ton combat. Tu joues pas le Matrix avec moi, hein? Ça va, t'es mon frère, nous, non, là? Alors tu me laisses tranquille, dernier avertissement, compris? Compris. T'as vu, t'as jeté la salade. T'en faut la laver, c'est pas les chiens qui vont la manger, là. Alors les garçons, vous en sortez? Regardez, je vous ai rapporté ça. Il paraît que c'est très prisé ici. Oh, merci, c'est gentil. Surtout la bouteille. Ça sent bon. Ça fait une salade, une chouk-chouka. Waouh, elle a l'air belle ta salade. Je peux? Bah, tu peux, hein. C'est la vraie salade du marché. J'ai pas mis d'huile, hein. Non, pardon, excusez-moi. Allô? Ah, c'est toi. Ouais, tout va bien. Mais je suis bien arrivée. Un peu rock'n'roll l'arrivée. Mais c'est très beau. Mmh. Ouais. Ouais, non, en fait, ils sont deux. Ouais, deux frères. Il est très sympa. Matrice. Effectivement, je te raconterai.
Oui, toi aussi, tu me manques. Je t'embrasse très fort. Je te montre l'endroit où je parle avec toi la nuit. J'aurais jamais pensé que c'était dans ton immeuble. Ouais, c'est pratique, hein. Depuis que le cybercafé est ouvert, je vais ici quand je veux. Le jour, la nuit. Des fois, je dors, je fais le cauchemar. Et hop, je me réveille, je descends. Voilà, tu veux te faire, toi. Je te présente Tchouch, le grand spécialiste d'Internet. Bonjour. Bonjour. Enchanté, monsieur Tchouch. C'est Laurence, qui vient de Paris. J'imaginais pas ça comme ça. C'est-à-dire? Bah, je trouve que c'est moderne, hein? On dirait un cybercafé parisien. Normal. J'ai bien étudié la question avant d'ouvrir. Le seul point noir, c'est les clients. Ils ne savent pas qu'un ordinateur, c'est fragile. Il faut caresser le clavier. Alors qu'eux, ils croient que c'est Tinderbuka. Surtout Matrix. Si vous voulez une connexion, vous êtes la bienvenue à Babel Web. يا روح ارحم عليا في قلبي شعلت نار في كل وقت نراها سلبت لي بهواها واجري qui descend là-haut vers Saint-Eugène. Oui. Et tu vois, il y a aussi le téléphérique. Il y a un grand chemin qui passe derrière le cimetière. Et à côté du stade, il y a le petit chemin. Mais c'est surtout les enfants qui vont là-haut pour mettre des pièges aux oiseaux. C'est la bonne période pour visiter les plages. Parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui va à la mer. Mais si tu viens pendant l'été, c'est impossible. Il y a des millions de gens qui nagent. C'est comme la Chine, l'Inde, tout mélangé. Si, c'est la rencontre des amoureux. Mais seulement les amoureux qui ont des voitures. Si c'est tranquille, on passe l'après-midi. C'était bien cette balade. J'ai épuisé. J'ai faim. Pas trop, merci. T'as vu, ça clignote bien. Tu vas voir comme c'est bon. T'as pas voulu manger ce midi, hein. Maintenant, tu vas te régaler. C'est encore mieux quand c'est réchauffé. Ça fait l'onctuosité dans les poivrons. Waouh. Tu dois prendre une cuillère. T'as raison. Lui, c'est le Matrix de la fourchette. Et lui, quand il boit, c'est le n'importe quoi de la parole. Le shit mélangé avec le whisky, c'est la fin du monde. Hein. Tu devrais cacher la bouteille. Hein. Allez, Brel, va chercher une cuillère. On a faim. Vous vous chamaillez souvent? Ça dépend. Lui, il est un peu nerveux en ce moment. Et toi? Moi, je m'en fous. Je suis toujours calme. Mm-hmm.
de la cuillère. Toi l'honneur, Laurence. Ça va pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a avalé de travers. La pique! J'ai la bouche en feu! Mais qu'est-ce que t'as mis, toi? Des piments, normal. Combien? J'ai pas 5, je crois. Mais t'es complètement déménagé de la cervelle, tu veux la tuer ou quoi? الحمدود على الجهه اليمنى دائما وجد نفسه في وضعيه صعبه وسبور يرجعها براسه ثم حسين اش يرجع لبالبون بالبون يرجع للخلف مباشره حيث غادي كريم وضعيه سي دوماج هان سافير تيلمون بون اه vraiment encore pardon j'ai pas l'habitude de faire la cuisine heureusement que Napolito est resté ouvert c'est marrant ma mère m'avait parlé de ce plat mais j'avais jamais goûté mais comment elle connaît la chouchouka elle était mariée avec un algérien ah ça veut dire que toi t'es Ouais, c'était mon père. Et il est mort. Tu vois, je te l'avais dit à l'aéroport. Je savais que c'était une fille de chez nous. Mais j'ai toujours habité en France, hein. Je le connais à peine, mon père. Non, mais t'es quand même une Algérienne. C'est le sang qui compte. Et ton père, il est d'où? D'un patelin dans les Aurès. Je sais pas vraiment où. But ! Ils ont marqué ! C'est un but facile, ça. Vous n'êtes pas pour la même équipe ? Ah, jamais de la vie. Lui, c'est les Chinois et moi, c'est l'USMA. Tu vas voir ce soir, on va leur donner 10 buts. Bon, ben moi, je vais me coucher, hein, parce que le football, c'est pas mon truc. Tout est prêt pour que tu dormes. Je te souhaite bonne nuit. Merci. Bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit. C'est quand même bizarre. Quoi? La moitié d'ici. Elle a l'air de bien connaître le quartier. T'as vu tout à l'heure quand on a parlé de Notre-Dame d'Afrique? Je suis sûr elle a de la famille. Alors pourquoi elle vient chez nous? Ça y est, tu te crois dans l'enquête de Navarro, toi? Faut qu'on réfléchisse à la journée de demain. Tu crois que c'est son copain qui lui a fait le téléphone? Mais ça te regarde pas. Vas-y. Oh, la grande classe! Vas-y, puis! Quand même. Ouais, attends, je viens avec toi. Je te connais, toi. Tu me connais, c'est pas la prison ici. Je voulais jeter un œil, voir si ça va bien, si elle dort bien. Hey. Faut bien que tu te mettes dans la tête que c'est mon invité. Elle est venue pour moi. Ok? Bon. On va vérifier si tout va bien. Attends. Passe devant. Éteins.
s'est éteint. Oh là là, c'est Kamel qui a mis l'alarme. Il fait que des conneries, lui. Ça va? T'as bien dormi? Très bien. Ah, oh, il fait beau. Ah, il fait le beau soleil. Maintenant, on va faire le programme officiel de la journée. D'accord. D'abord, le bon café. Mm-hmm. Après, on décide de la promenade comme tu veux. Et ce soir, on se fait la soirée gala au karaoké de Sidi Frej. Très bien, monsieur Bouzid. Tout l'honneur est pour moi, mademoiselle Laurence. Pourquoi tu m'as emmené là? Parce que pour moi, c'est le plus bel endroit d'Alger. Chaque fois que je peux, je viens ici. Je regarde les bateaux qui vont et qui viennent. Je me dis qu'un jour, dans ma tête, je monte dans un et je pars sans retour. Nous, on habitait beaucoup en France, à Lyon, aux Minguettes. Le départ, c'était là-bas. Il y avait toute la famille. Kamel, Zouna et moi, on est encore petits. Et le père, il décide d'immigrer. On est resté là-bas 10 ans. 10 ans. Et un jour, ça lui passe par la tête de revenir. Alors il revient. On est obligé de le suivre, tous. Le bateau nous a amenés ici. Et ma mère, elle pleure, la pauvre. Elle pleure parce qu'on arrête l'école. C'est comme une histoire de folie. On habite bien, il a le bon travail, et comme ça, il décide de tout laisser là-bas. Pourquoi? On n'a rien compris. Et on recommence tout à zéro ici. Il a caché les passeports de tout le monde. Et on s'est habitué, obligé. Mais tu sais, Laurence, j'ai toujours dans la tête que je repars. Que je reprends ce bateau. Et Kamel, comment il a réagi? Kamel, il n'a jamais parlé. C'est comme s'il avait vécu ici pour toujours. On a fait des petits voyages, la Syrie, la Turquie, pour le business. Mais jamais il veut quitter Alger pour de bon. Toi, t'aurais pu? Oui. Oui, mais j'ai peur. Tu sais, j'ai plus l'habitude de l'ambiance de la France. C'est pour ça que je cherche des connaissances sur Internet avant de plonger. C'est un peu comme moi. Oui, mais à l'envers. Faut le contrôler, hein. Il va faire chaud. Cet après-midi, tu le rentres. Oui. Tu dis à ton père que je passe le voir demain. Oui, d'accord. Alors, japonais, la forme. Faut te préparer pour le combat, hein. Je sais, c'est pas la période, mais j'ai pas pu faire autrement. Faut que je te raconte. On a une invitée. Oh, ça t'intéresse pas ce que je te raconte? Et si tu la vois, elle s'appelle Laurence. Elle arrive de nulle part. Et moi, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs, même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta Seine sous tes ponts à rengaine, toujours après la peine. Je
pleures dans tes taxis, quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Il y a quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi tu te branches sur Internet? Eh ben... Tu sais, ici, tout le monde se branche. Parce qu'il n'y a rien. Les jeunes sont malheureux. La télé et Internet, c'est comme des portes pour sortir de la tristesse. T'as vu, ils font des connaissances, ils parlent avec des gens qu'ils connaissent pas. Et toi, tu fais pas ça? Non, j'ai essayé, j'aime pas ça. Tu préfères parler avec ton mouton? Comment tu le sais? C'est Bouzid qui m'a raconté ce matin. Perdu, Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Lui, il passe son temps à arroser les mots partout. C'est vrai, je préfère quand je parle à japonais. Japonais? Ouais, c'est comme ça son nom. Ça fait 4 ans que je l'ai. Au début, on l'a acheté pour le sacrifice de l'Aïd. Normal, on le tue, on le mange et c'est fini. Mais très vite, je me suis aperçu que japonais n'était pas comme les autres. Il est intelligent, il comprend tout ce que je lui dis. Il est fort, c'est un champion. Alors j'ai commencé par organiser des combats avec les moutons du quartier. Les japonais, ils gagnent toujours. Alors je l'ai gardé. Et après, on a fait des combats avec des vrais champions et maintenant, il est connu dans tout le pays. Tu me le montreras? Si tu veux, mais t'as toujours pas répondu à ma question. Et encore, j'ai mal à la gorge, j'ai bu trop de bière. Tu sais, quand j'entends cette chanson, je peux pas m'empêcher à penser à la France. Fait chaud, hein? C'est l'étouffement. Je vais sortir prendre l'air. Ça va? Ça va. Je sors une minute. Il est complètement bourré. Tu veux boire quelque chose d'autre? Non, merci, ça ira. Tfadda, tfadda. Bienvenue. À la Alors, quelle chanson tu vas nous chanter? Je voulais chanter une chanson, mais je n'ai pas les paroles dans une blague. Non, mais je sais. Bon, il va nous raconter une blague. À toi. Blague comique. Va-t'en. Un homme. Elle rentre... Une femme. Une femme, elle rentre chez elle. Après, lui... Non, c'est un homme, il rentre chez lui. Après, il dit... Je sais pas... Comment... Deux femmes. Il rentre dans une maison, après il dit oui, ils sont... Parce que là, ça, j'ai oublié le... Yannick, ça a du chemin à aller quand même. C'est pas ton métier, RDB. Rouh, Sayyid, rouh. Attention à la marche. Puis la fin, il dit, oui, mais c'est pas grave. Mais je vais quand même vous raconter une blague. Une blague, tu vois comment ça tient. Allez.
C'est bien. Salut, Kamal. Salut. Hajj Meloud qui veut te parler. Ouais. Quoi? Pas question. Alors là, tu peux te l'enlever de la tête. Tu sais, à ta place, je parlerai pas comme ça à Hajj Meloud. On pourrait peut-être aller chercher Bouzid, non? Et au parking, complètement bourré. T'es nerveux? J'ai pas l'habitude de conduire. Oh, cette portière. Fais attention qu'elle s'ouvre pas. Tu l'aimes pas beaucoup, Hajj Meloud? C'est un dangereux, il est dans les combines. Cigarettes, télévision, les frigos, tout. C'est un petit mafia d'Alger. Et en plus, il fait des problèmes. Je dois faire un combat avec Japonais pour lui. Pour lui? Oui, enfin, c'est lui qui organise tout, qui prend les paris. J'espère qu'on tombe pas sur un barrage de police. Bouzid? Oh! Oh, Bouzid. Tu lui dis pas que c'est moi qui a conduit. Hein. Pourquoi? Il aime pas quand je la touche. Mais alors comment on aura fait pour rentrer? Tu dis que c'est toi qui as conduit. Ça te fait rire. D'accord. Si tu veux. Tu sais, faut pas que tu croies qu'on est des habitués du cabaret. Je te jure, on n'y va jamais, ça coûte trop cher. Ouais, j'ai vu, c'est pas donné. En tout cas, merci. J'ai vraiment passé une belle soirée. Tu sais, Bouzid, il était très content que tu viennes. Il a tout préparé pour toi. Il a fait l'organisation de A à Z. Il a même réfléchi comment tu dors, comment tu t'amuses. Il a dit qu'il faut l'emmener à la plage, au restaurant, au cabaret. Pendant 8 jours, il était comme un fou. Je l'ai jamais vu comme ça. On aurait dit qu'il travaillait pour une agence de voyage. Je comprends mieux alors. La déco dans la chambre, les fleurs dans le salon. Ouais, ça fait comme de l'air frais qui rentre dans une chambre fermée pour lui. Et pour toi, qu'est-ce que ça te fait que je sois là? Moi? Tu veux un sucre? Ou deux? Non. Alors? Moi, ça me fait bizarre. La maison, elle n'est pas comme avant. Ma mère, elle n'est pas là. Ma sœur, elle n'est pas là. Et toi, t'es là. Comme si tu étais là depuis toujours. On dirait la vie dans un rêve. Comme de la magie. De la magie. Encore, t'as entendu, là? Ça doit être une secousse. Il y en a plein, des petites. Des répliques. Mmh.
Ah, j'ai la gorge en feu. Ah, Kamel, ah, porte-moi de l'eau. Kamel. Kamel. Au tout début, je m'étais connectée sur des sites internet qui parlaient de l'Algérie pendant les inondations. Puis après, il y a eu le tremblement de terre. J'avais très envie de venir faire quelque chose. C'est pour ça que je suis rentrée dans un groupe de discussion. Et là, je suis tombée sur ton frère, Matrix. Il faisait rire. Il parlait tout le temps d'Alger, Bab El Oued. Et pourquoi t'es pas venu directement? J'avais peur. À cause des terroristes? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire? Je suis née là-haut, à Notre-Dame d'Afrique. Et mon père est toujours vivant. Un café, s'il te plaît. Bien sûr. Tu me branches. Il y a une urgence. Quelle urgence? Je suis juste venu lire mes messages. Et ça se passe bien, votre invité? Ouais. Tu lui as parlé? Parler de quoi? Quelle tête pour partir? Laisse tomber. L'ordinateur, il met une heure pour s'allumer, là. Doucement, doucement le clavier. Tu veux que je te dise? Quoi? Quand l'ordinateur, il s'allume, bah, c'est comme si... comme si je respirais de l'air pur. Voilà. C'est ça. Parce que tu vois, là-haut, j'étouffe. C'est tout. Tu crois qu'il est toujours là, ton père? J'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le voir? Non. Je veux juste rester un peu là, regarder la maison. Oh, et puis t'as raison. Je dois sûrement habiter ailleurs. C'était il y a tellement longtemps. Allons-y. C'est lui. Lui? Il a pas changé. T'es sûr que c'est lui? Je te dis que c'est mon père. Ça, ça. Allez, assez. Qu'est-ce qu'en fait, tu veux lui parler? Non, démarre!
Qui va? Raison. S'il te plaît, Kamel, Kamel. Elle veut pas démarrer, Laurence. Il va nous voir là. Kamel. La batterie, elle marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dehors avec le chien. Raison, cherche. T'es sûr, là, il peut pas nous voir? Non, mais accroupis-toi encore plus dans le siège. Il est mort. Tyson, le roi. Tyson, là. Tyson, ça marche. Aïe. J'ai accroché. Aïe. Assassin. Chut, tu vas, qu'est-ce qui se passe? J'ai touché la vieille. Assassin. Aïe. Où t'as mal? Aïe, Dre. Badly. Badly. Attends, roche le dano. Voilà, je vous coupe juste pour regarder, hein. Vous avez pas de marque, rien. Ok, on va faire un bandage. Quand je pense qu'à l'époque, ils détestaient les chiens et les chats. En temps, ils ont tous des chiens dans les maisons. Mais lui, son chien, était un peu fatigué. Si je vis l'âge japonais, il l'attrape, il le démolit. Mais pourquoi vous êtes parti? C'était devenu l'enfer pour ma mère. C'est elle qui a tout organisé sans rien nous dire. Elle avait les billets d'avion, fait les valises. Un ami nous a fait passer le contrôle de l'aéroport. Ça va, là? L'épaule? Et après, elle a rien fait? Tu parles. Elle nous a cherché partout, il était comme un fou. C'est pas ma mère qui l'intéressait, c'était nous. Mais bon, on s'est caché, on n'a pas arrêté de déménager. Puis un jour, il a abandonné. Mais pourquoi tu veux pas le rencontrer? Voilà. J'ai rien à lui dire. Mais les problèmes qu'il a, c'était avec ta mère, pas avec toi. Qu'est-ce que t'en sais? Excuse-moi. Parle que nous l'aider. Quelle est la politesse? C'est pas la politesse, l'état échelé. Tiens, salut, Bouzid. Qu'est-ce que c'est, hein? Bah, on était à Notre-Dame d'Afrique et en reculant, la voiture l'a renversée. Mais ça va? Ah bon, t'as touché à la voiture? Mais depuis quand tu sais conduire, toi? Tu sais pas conduire? Ben non, il a pas son permis, en plus il fait un accident. La preuve que je sais conduire, on est monté jusqu'à Notre-Dame d'Afrique. Et elle, je l'ai pas vue. C'est à cause d'une marche arrière intempestive. Intempestive, et voilà le résultat. Pourquoi vous l'avez amenée ici? Bah, pour la soigner. Vous faites le kidnapping ou quoi? Vous croyez dans un hôpital, faut pas qu'elle reste. Ça va, elle se repose et on la ramène chez elle. Bon, en attendant, il est déjà 10h, faut qu'on aille travailler, hein. C'est plus les vacances. Tu l'avais tué, la grosse. Hein. Comment on aurait fait? Oh là là, tu vas pas me rabâcher ça toute la journée, non? Bien sûr, pour toi, la vie, elle est toujours facile. Elle est facile. Bien jeune, t'as bâti un autre dans le shop. Tu vois pas que c'est fermé? On fait la pause. Spécial. Là, m'indich. Chauffe la station de Sylvie Fraîche, tu vas trouver des vendeurs là-bas. Aïe, 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 allez. Faut que je te raconte quelque chose. Quoi? Ce matin, j'ai vu le père de Laurence. Le père de Laurence? Mais il est pas mort, celui-là. C'est quoi, cette histoire? Elle voulait voir la maison où elle est née. Mais elle a dit que c'était dans les Aurès. Mais non, c'est à Madame d'Afrique. Je l'ai amenée et on a vu son père. Et devine qui c'est? Moi, je vois pas comment je peux deviner. Hein. Tu m'as pris pour le maillon faible ou quoi? C'est celui qu'on a croisé au dépôt l'autre jour. Hatchpat folle. Hatchpat folle? Ouais, celui qui a la jambe raide, là. Putain, t'es sûr? Certain. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, elle a pas voulu parler avec lui, elle a dit que c'était un grand salaud. Et alors? Et alors rien, c'est son problème personnel et ça te regarde pas. Son problème personnel?
elle vient ici pour régler ses problèmes personnels. Elle fait le kidnapping de la grosse. Cette Laurence, je la sens plus, celle-là. Voilà, c'est en train de cuire. Vous allez vous régaler. Ça va? Ça te fait toujours mal? Tu comprends le français, toi? C'est ça. Tu viens de Coca? Tu vois, là, tu comprends. Alors, t'habites Notre-Dame d'Afrique? Quoi? Ah non. Ah non, non. Ça, ça boule la gorge. Non. Marc, une petite goutte. Ça va faire de mal. Ouais, doucement. Ouais. T'es trop, toi. Bon. Je suis sur le balcon. Si t'as besoin de moi, hein? يا الوردة ركي حمامة في السماء بصح أنا عمري ما شفت وردة تنوض في السماء شوالا أنا مهبولة تيا مهبولة أنا شبع عليك كي يقولوا لي تيا مهبولة توما المهابيل أنا بعقلي باب باب ها باب كوا باب 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 كوا باب 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 Je suis l'oncle et la famille. Ah, d'accord. Ben, rentrez. Vous voulez vraiment pas prendre un café ou quelque chose? Non. Ils sont tous partis au bled. Oui, comme je vous l'ai dit. Et toi, tu es là, toute seule, avec Kamel et Bouzid? Oui. Et celle-là, c'est qui? Une voisine. Voisine. Lola est ce temps-là. Mais vous pouvez les attendre, hein? Ils reviennent à midi pour le déjeuner. Non. Il faut que je vais pour le travail. Attention, vous allez... Ne bouge pas! C'est la fin du monde. Le prochain apocalypse détruira Babloué. On l'aura mérité. Hein? Tu leur dis à cette famille de dégénérés qu'ils sont pas prêts de me revoir. Hein? Allez. Mais vous allez où? T'as plus rage. L'ira j'ai le machlul. Tfou. Assassin. Je savais plus quoi faire. Je me demandais s'il allait pas sortir un couteau, il avait l'air d'un terroriste. Donc le Saïd, terroriste. Hein? C'est l'homme le plus peureux de toute l'Algérie jusqu'au Sahara. Et quand les autres, ils ont pris le maquis, lui a disparu. Enfermé chez lui. Et sa femme a raconté partout qu'il a le cancer dans les reins et l'appendicite dans le ventre. L'appendicite, ça dure 2 ans. Bon, je vais faire la vaisselle. Non. C'est Kamel qui va faire la vaisselle. On va emmener celle-là chez elle. Et après, on se fait une petite promenade tous les deux. Allez-y, elle doit habiter à côté de l'église. Bon, je te débarrasse, chercher le dessert. Mais t'as cherché, c'est plastique, donc ils t'ont
Salut les maigris. Loran est arrivé. On prépare ça pour jeudi prochain. Si tout se passe bien, je te mettrai sur les voyages en Hollande. Comme ça, t'auras pas besoin de griller au soleil et sentir les odeurs de l'autoroute. Hein? Bon. À jeudi alors. Hein? Ah! Et comme je t'ai dit, japonais, il faut qu'il perde. Hein? Ok? Japonais, il perd rien du tout. Tu crois que c'est un boxeur comme dans les films américains? Je vais lui dire, tu te couches et il se couche. Ça va pas, non? Écoute, on m'a dit qu'il fait tout ce que tu lui dis. Alors bon, tu te débrouilles, tu lui parles en chinois, tu fais ce que tu veux, mais il perd le combat. N'oublie pas que toi et ton frère, vous nous devez 20 plaques, ok? T'es bien content d'emmener ta pute au cabaret avec mon fric, hein? Je parle pas comme ça, Len. Ah! Écoute, t'as intérêt à faire ce qu'on te dit, Minabel, d'accord? Bon, allez, hop. Enfin, chez soi. Oh mon Dieu. J'espère qu'il y a de l'eau. Je prendrai bien une douche. Est-ce que ça sent du parfum? Vous vous rendez compte? Organiser tout ce cinéma comme si ces deux imbéciles ne pouvaient pas me dire qu'ils avaient invité quelqu'un. Mais je leur ai jamais rien refusé. Et comme si je ne connaissais pas les lois de l'hospitalité. Yeah. Ima, hospitalita. Quoi? Bah oui, on dit hospitalita. Ah, aussi tu vas m'apprendre à parler, yeah. C'est Tchouch qui m'a dit... Tchouch. Bon, allez, yale, Tchouch. Tchout, c'est un alphabet trilingue. Heya, bra. Sortez de mes pattes. On doit parler entre femmes. Et je dois m'occuper de notre invité. Oh, tchou. Maintenant, il veut que ça devienne un match truqué. C'est pas grave, tu truques et puis on n'en parle plus. Avec toi, rien n'est grave. Japonais, c'est un champion et j'ai pas envie de casser sa réputation à cause de toi. À cause de moi? Qui c'est qui passait mieux avec Laurence et moi, peut-être? Oh, t'es vraiment le plus con des plus cons que je connaisse. Qu'est-ce qu'il a, Kamel? Il fait encore la gueule, il s'en met. Non, serre-moi une bière. Allez, tout de suite, allez. Ça me paraissait plus grand. Ce ciel-là était immense. C'est comme ça qu'on voit les choses en France. Celle-là, c'est pour toi. Merci. Que la Vierge, elle protège ma famille. Et la troisième, c'est pour moi. Elle a raison, ma mère. Kamel et Bouzid, c'est des bons à rien total. Non. Depuis que mon père est mort, ma mère et moi, on fait ce qu'on peut pour tenir. Eux, ils sont restés comme des vrais enfants.
avec leur trafic de cigarettes et leurs moutons. Moi, c'est pour ça que je les aime bien, tes frères. Si tu veux les emmener avec toi, ça fera du bon vent. En plus, ces deux-là, tant qu'ils se marient pas, moi, je suis bloquée. C'est la famille, elle a décidé comme ça. D'abord Kamel, après Bouzid et après moi. Non. Ouais. T'as envie de te marier? Ouais, c'est clair. C'est vrai? Mmh. On veut? Non, merci. Et t'es un amoureux? J'en ai deux. Deux? J'arrive pas à choisir. Et tu les vois tous les deux? Ouais. Pour Salim, je lui donne des rendez-vous dans le cimetière chrétien. Et pour Hakim, je le vois dans le cimetière juif. Non. C'est les endroits les plus tranquilles d'Alger. Mais le vrai problème, c'est avec qui je me marie et quand. Oh, Amia, ou la wesh. Incroyable. Elle l'a fait exprès, comme avec nous. Tu la connais? Ouais, enfin, je l'ai croisée. La pauvre, elle est complètement folle. Depuis 2 ans, elle roule dans les rues, elle essaie de se faire écraser. Personne ne sait pourquoi. Immigré. En France, celui-là. Asma. Toi, il choisit, toi. Ne touche pas comme ça. Thank you.
Qu'est-ce qu'il fout, japonais? Il a failli le tuer, là. Hé, hey, minable! T'as pas compris ce qu'on t'a dit, toi? Hein? Lâche-moi. Écoute, ça va mal tourner pour toi. S'il perd pas, je vous massacre tous les deux. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, il veut pas m'écouter. Putain, tu sais combien j'ai engagé dans l'affaire, moi? J'en ai rien à foutre, là, je mets l'autre. Mais putain, mais parle-lui, dis-lui quelque chose. J'ai rien à lui dire. Japonais, c'est un gagnant, il aime pas les perdants. Et il aime pas les combines. Ouais, ça, c'est pas un gagnant, ça? Non, mais t'as fait pas le con. Fais-le au moins pour Laurence. Voilà, c'est ça. Vas-y, fais-le pour ta pute qui est là-bas. J'ai dit, toi, allez, Roussard. Allez, vous-y. Bouge pas, je tire. On va, je tire. Alex, je tire. Je pouvais pas lui dire de perdre un japonais. Il aurait perdu, on serait tranquille. Maintenant, on est dans la merde. Haj Miloud, il va pas nous lâcher. En attendant, il a dû attraper une bolle jaunisse. Tu l'as foutu la grosse honte. Il va vouloir faire la revanche. Il va nous massacrer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il est quelle heure? Déjà. Pas la peine de te faire du mauvais sang. C'est comme ça avec eux. Je crois que j'aurais bien aimé voir le combat. T'as rien raté. C'est un jeu complètement stupide. Y'a que des hommes qui sont intéressés. Puis franchement, regarder des moutons se donner des coups de corne. Ouais, mais je crois que ça m'aurait plu. Tu sais ce qu'ils leur font, les moutons, pour qu'ils soient plus méchants? Non. Non. Je te jure qu'ils leur font ça. Allez, on y va parce que faut pas trop rester ici. Allez. Et après, une fois qu'on rentre, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant que les autres, ils sont tous revenus? Moi, je rentre pas. Je préfère quand je me saoule, total. Au moins, je vois plus rien. C'est pas possible que ça recommence comme avant. Il faut que je récupère japonais. D'accord, d'accord, allez, viens, on y va. Non, je reste là, moi. Je me saoule jusqu'à ce que je meure. Mais comme tu veux. Et tu dis à Laurence... Je me saoule toute la nuit, je pense à elle toute la nuit. Salam alaikum. Doucement. Ah, excuse. Ah non. Que Dieu me protège. Tu sais bien que je bois jamais, moi. Hein? Vas-y, au fond. Six. صحة المروكي صحة أبو زيد حكمة Qu'est-ce qui se passe? Là! Malou, patron, on a ce bien. On fait le bas, c'est quoi? Hadj, le bas, c'est quoi? Je suis à fort, trois horloges. C'est moi une bière. Non, il n'y a rien du tout. Le bar, il est fermé, là. Dans cinq minutes, tu ne rigoleras plus. Hadj, pas de vol, il va venir. Ah, pas de vol? Je l'emmerde. Rigole, rigole. Oh, ça va, hein? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tchouch. Bonsoir. Bonsoir. Bouzid? Bouzid? Oh, ça va? Zid, il est où, Kamel?
Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te pose une question, Bouzid. Il est où, Kamel? Il est au bar, il boit des bières. Hein? Il y a eu un problème? Il est resté seul. Bien. Bien, tu m'emmènes, je veux le voir. Jamais de la vie. Là-bas, avec des garçons, c'est mieux si tu montes dormir. Oh, oh. Bonsoir, monsieur Tchouch. Il est où, ce bar? Toi, le bâtard d'immigré, hein? Tu oses t'attaquer à ma famille. Mon fils est à l'hôpital. Et toi, tu sais où je vais t'envoyer? À la morgue. Oui, j'ai rien à foutre, moi. Ah, t'en as rien à foutre? On va voir ça. Je dois. On va voir. Le belk. Le belk aussi sera l'île de Nalou, l'a dit. Le belk ou l'ala. Laurence? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas le tuer. Et après, tu vas me tuer. C'est ta mère que j'aurais dû tuer. Aïe, bad. Aïe, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Faut qu'on ramène Kamel à la maison. Excuse-moi, Laurence. Ça y est, elle est partie. Je comprends rien à ce pays, moi. Quand les avions arrivent, ils sont toujours en retard. Et quand ils partent, ils sont toujours à l'heure. Ça veut dire que quand on part, c'est plus important? Dans 2 heures, elle est de l'autre côté. Finalement, on croit que c'est compliqué, mais c'est comme un clignement d'œil. Tac, on est là. Tac. On est là-bas.
Bon, on y va. Je dois rendre la voiture. Allez, on y va. Quand est-ce que tu pars? Quoi? Bah oui, quand est-ce que tu la rejoins? Tu peux pas arrêter d'éclabousser partout avec tes conneries, là? Bah, tu vas pas me dire que vous avez pas combiné quelque chose, hein, je te connais. Putain, mais tu vas me lâcher? Attends, s'il y a de l'amour entre vous, ça veut dire que vous avez organisé un truc. Putain, mais tu me fais chier, Bouzy. Tu le sais, tu me fais chier. Qu'est-ce qu'il prend? Arrête la voiture. Qu'est-ce qu'il prend? Je te dis d'arrêter la voiture et dégage. Allez, dégage, dégage. Vas-y, je veux plus te voir, dégage. C'est incroyable! Comme si c'était de ma faute! Ah bah c'est ça, marche! Ça te fera du bien à la plante des pieds! Bon bah vas-y, monte! Tu vas pas faire 20 km à pied! Bon vas-y, c'est bon, vas-y. Je suis ton frère, tu peux m'insulter, vas-y, insulte-moi. Si tu bouges pas, je bouge pas, moi. Bon, ok, ok. Si ça t'amuse, on peut regarder les avions, hein, toute l'après-midi. Hein. Je peux même t'amener des pizzas. Hein. Salut l'immigré. Vas-y au 5. Salam. Bien. Pas comme la dernière fois. Moi, je m'occupe d'Elisa. Et tu sais quoi? Je connais le cousin d'un chauffeur qui travaille au consulat. Zahir, peu importe.
où j'irai, avec qui j'irai. Faut que j'taille, ouais vite faut que j'm'en aille. J'ai besoin de changement, en plus y'a pas de maille. Même s'il fait beau, c'est dans ma tête que ça caille. J'ai soif de savoir, mais j'déshydrate en restant ici. J'suis né, j'grandis, j'connais tout ce qui se bouge par ici. Le bled c'est galère, c'est raide. Depuis que j'surf sur le web, j'me rends compte que j'suis en galère. Ça fait déjà un bail que j'tiens les murs. Et quand l'ordinateur s'allume, c'est comme si j'respirais de l'air pur. J'vois tout ce qui se passe à l'étranger. J'communique avec le monde, j'peux plus m'en passer. J'aimerais le palper, le toucher, le respirer. Marcher dans ces rues, ces avenues, m'y accoutumer. Ne pas que l'admirer devant ma télé. Subir les histoires de potes qui sont déjà partis. J'en ai marre de tout, faut que j'm'en aille. Je tiens les murs depuis un bail. Peu m'importe comment, faut que j'aille. C'est vrai que si les puits sont rares, magnifique le cas des moines cités, ouais. À croire que rien ne peut nous lasser, c'est non. C'est la belle vie, point de la survivre, ouais. Je sais que d'autres m'envient d'être là, mais l'année c'est pas comment l'été. Le désert reprend ses nomades et le sédentaire s'éteint. Viens, je suis plein d'hiver, aussi la mer la même. Viens voir le sable sous les pieds, viens entendre juste le son des vagues. Viens, je suis plein d'hiver, aussi la mer la même. Viens voir le sable sous les pieds, viens entendre juste le son des vagues. Viens voir un peu comment ça se passe, Fibletti. Libère une place que je m'incruste, Fibletti. Toi qui veux venir, je donne ma place. Moi je veux partir, ou même m'enfuir. Je veux goûter à cette vie de rêve. Même si c'est pas le rêve, j'en rêve jusqu'à en crève. Et dans ma tête y'a pas de trêve. Tant que je serai pas loin d'ici, assis pépère bien à l'aise. J'en ai marre de faux, je m'en aille. Je tiens les murs depuis un bail. Peu m'importe comment faut que je faille. Plus rien me fait kiffer. On me dit que là-bas la vie est un jeu. Je pose chance chaque fois je prends. Que l'argent gagne bien mieux. Que la moindre paye nous donne tout ce qu'on veut. L'amour, les rêves et les sentiments s'échangent. Y'en a plus de secret. Point d'ennui de la peine. J'aimerais tellement qu'on m'y emmène. Je ne tiendrai plus longtemps encore. Point d'ennui de la peine.